Alors ce projet, il s'agissait de répondre à la demande d'une cliente qui venait d'acquérir une petite grange dans le nord du Cantal, qu'elle souhaitait réhabiliter pour la transformer en maison secondaire et avec des très fortes exigences environnementales dans le choix des matériaux, dans le choix de l'isolation. Donc essayer d'être sur des matériaux locaux, des matériaux naturels, donc du chaux chanvre, de la ouate de cellulose, des enduits à la chaux. Voilà, on a toutes ces petites choses mises en place au fur et à mesure en partenariat avec les clients. Alors l'origine du projet, c'est des envies de réaliser un habitat qui nous ressemble. L'envie à la base était extrêmement simple, de la lumière, de l'espace, pas trop grand. Et ce qui avait été très clairement exprimé avec l'architecte, je voulais quelque chose de simple, de sain et de beau. Le reste, c'était histoire de créativité. Ce chantier est très particulier, on a dessiné chaque pièce et composé les meubles sans utiliser de panneaux ni de colle, ou très peu, pour un air intérieur plus sain dans la maison, et utiliser les méthodes traditionnelles avec des bois locaux. Ça a été un défi au niveau technique en fait pour créer tous ces meubles. J'aime le bois, c'est une matière chaleureuse, il y a la chaleur, mais je voulais aussi que ce soit pas trop bois. Une architecture à la fois contemporaine et traditionnelle. Donc la grange existante finalement est en pierre et en ardoise et les interventions contemporaines sur cette grange sont en bois et en bardage bois. Et on avait des clients qui voulaient utiliser au minimum le béton et l'acier. Donc le bois était la bonne réponse pour cette exigence-là. On a choisi des essences locales, donc du peuplier, du châtaignier, du frêne et du mélèze. En fait, on a mis des bois clairs sur les murs, les portes. On a voulu trancher un peu sur les parquets, l'escalier, pour rythmer un peu plus les façades. Je voulais créer du mobilier avec des lignes plutôt épurées, de façon à pas trop charger la décoration de la maison. Ça donne de jolis aménagements qui sont chaleureux, qui sont plutôt modernes, avec des lignes modernes.